Le mec lui jette la clope lui jette la cendre sur la console et lui dit va me chercher un cendrier, petite merde. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, par sur VL. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir à ma psy aussi. Est-ce que vous avez une grosse galère d'ailleurs tous les deux avec John, votre plus grosse galère, vu que vous qui avez travaillé sur tant de... Oui, on a dû en avoir, hein, des galères, John, des galères. Est-ce qu'il est toujours avec nous ou pas? Attends. Bah, par exemple, John, est-ce que tu as déjà travaillé pour une artiste ou un artiste avec qui c'est pas du tout passé? Vraiment, humainement, c'était question, très compliqué. Ah ouais. Balance-nous. Tu peux balancer un nom. Les Ricains, ils regardent pas, même les Français d'ailleurs, tu peux y aller. Hein. Oui, non mais ça me... C'est que c'est bon, ça y est, c'est consommé, vas-y. Ça me dérange pas parce que ceux que j'aime pas en vrai... Ils le savent. Mais là, c'est un artiste américain où on est tous partis de la séance après 2 heures de séance. C'était Chris Brown. Ah ouais, sérieux? On est partis. C'est-à-dire, Redouane m'a regardé, on s'est regardé, on était 5 de l'équipe de Redouane à l'époque. Et on a dit, on se barre quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que agressif, parce qu'il parlait mal à l'ingé son, parce qu'on était. Nous, ici en France et partout, la cigarette et tout ça, tout le monde fumait dans les studios. Moi, j'étais fumeur à l'époque, ça me dérangeait pas. Mais t'es dans un studio qui est non fumeur, où le petit ingé son dit au mec faut pas fumer, le mec lui jette la clope lui jette la cendre sur la console et lui dit va me chercher un cendrier, petite merde. Et à un moment donné, du coup, moi je peux pas travailler comme ça, je m'en tape quoi. Faut dire s'il te plaît au moins. Putain, mais c'est génial, du coup t'as un article pour le public. Waouh. Ouais. Et bah dis donc, ok. Donc lui, plus jamais, c'est pas ma cam, j'ai pas aimé le personnage et tu sais que moi je préfère parfois écouter leur. C'est ça qui est parfois difficile, c'est de rencontrer des artistes qui ont une super musique. Alors, lui, il a des chansons sympas et tout, et c'est vrai que c'est un grand artiste, mais parfois, tu croises des mecs qui ont un talent incroyable, qui t'ont fait délirer, rêver, et c'est des grosses merdes. La déception, ouais.